ça m'a fait un bien fou déjà d'être dans la nature. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le sentiment d'être utile, de faire quelque chose d'utile. Ce petit projet, ça a été vraiment le point de départ de toute une série d'autres projets. Et qu'est-ce que ça te fait de la voir grandir? Là, ça fait déjà un an et demi. Qu'est-ce que... C'est génial, parce que d'abord, ça pousse super vite. Je veux dire, et ce que je trouve extraordinaire dans cette expérience, et le fait que ça soit justement une forêt minérale, c'est qu'on laisse la nature reprendre ses droits. Après, on n'intervient plus. Et alors, c'est vraiment un bon point d'observation de voir comment la nature agit. On n'a pas souvent l'occasion de voir ça. C'est aussi une belle expérience et un bel enseignement en se disant, tiens, la nature, elle reprend toujours le dessus. Elle est très forte. Et donc, on est tout petit face à ça et on lui doit du respect. Je pense qu'elle va être très belle, cette forêt, je veux dire, parce qu'elle a été plantée avec amour, déjà. C'est surtout le partage, la notion du partage que je trouve intéressante aussi. Et voilà, c'est le souvenir que j'en ai, en tout cas pour le moment. Et je pense que cette initiative de planter une forêt, ça crée une biodiversité, ça peut contribuer à beaucoup plus que juste biodiversité. Ça peut aussi créer des sensibilisations chez les gens, chez tous les employeurs à Axis Park. Je pense aussi que ça augmente un peu l'inclusion sociale, parce qu'une forêt, ça apporte toujours quelque chose d'extra. C'est la nature, la connexion avec la nature qui est importante. Et pour les gens aussi qui travaillent ici, qui vivent presque ici, je pense que c'est très... Ça fait respirer. Demain, on va avoir besoin de beaucoup plus d'arbres, de plus d'ombre aussi, parce que ça devient de plus en plus chaud. On peut déjà le sentir maintenant. Est-ce que tu as un souvenir dans cette forêt ou dans une autre que tu souhaiterais partager, raconter? Oui, mais c'était plutôt une forêt en France, je ne me rappelle plus laquelle. Mais j'étais en route avec mon partenaire en voiture et on avait une dispute et on est sorti là où il y avait une forêt. Et je voyais un grand arbre et j'étais attirée par cet arbre, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai été l'embrasser ou le câliner. Et j'ai vraiment senti un genre de force de cet arbre et j'ai pu relativiser tout de suite toutes les discussions qu'on avait et ça a vraiment eu un effet super positif sur la suite du voyage, mais déjà juste la suite dans la voiture et ça m'a vraiment calmée. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'on sous-estime encore, l'effet de cet arbre sur nos sentiments, et ça c'est peut-être quelque chose à découvrir aussi ici.